Alors, la clarinette, c'est un instrument en bois de la famille de Va. Donc, on a besoin des soufflets pour créer la vibration de l'ange qui est posé sur le bec. Et avec l'air et la vibration, ben, le son naître. Donc, on a des registres graves, un peu plus aigus et très aigus. Les musiciens, les plaisirs un petit peu de se balader entre tous ces registres. Aussi de la musique qui change entre la musique classique, la musique klezmer, la musique jazz, les variétés. On peut tout faire avec la clarinette en fait. Donc, on travaille aussi beaucoup sur la posture, de comment on tient, comment on souffle. Donc ça aide aussi à le développement personnel, je trouve. Parce qu'on oublie un peu dans nos vies modernes de savoir bien respirer, de savoir bien tenir. Donc ça nous fait aussi de bien être en fait, de prendre l'état, d'écouter, de réfléchir, de chercher des phrases, en fait, de ne pas aller vite, de prendre vraiment les plaisirs, de développer l'écoute, le partage, tout un peu des valeurs qu'on a un peu tendance de laisser aux côtés dans notre vie speed moderne. Donc ça fait vraiment, ça fait partie de mes pédagogies aussi. Et bien sûr, donner les moyens de maîtriser l'instrument pour puisse après continuer en pratique professionnelle ou amateur. Et avant, je faisais de la flûte et la prof disait que j'avais beaucoup de souffle pour la flûte. Donc elle a dit que je devais peut-être essayer la clarinette. Bon, t'es pas obligée de faire comme ça. La position? Ouais, la position c'est mieux. J'aime bien parce que je suis pas obligée d'écouter de la musique, mais je la fais. La trompette, c'est un instrument à vent qui fait partie de la famille des cuivres. C'est pas forcément un instrument qui est beaucoup plus difficile qu'un autre. Effectivement, on a l'impression, parce qu'avec l'embouchure, c'est vrai que par rapport au piano, quand on appuie sur une touche, on a un son qui sort. La trompette, c'est nous qui fabriquons le son avec la vibration de nos lèvres. On fait à l'intérieur et ça produit un son. Mais en fait, c'est un instrument relativement facile. Et les enfants qui commencent, notamment nous sur une année scolaire, ils commencent en septembre, ils sont déjà capables de jouer des petits morceaux de Noël pour la période de décembre. C'est un instrument génial, parce qu'il nous permet en fait de pratiquer beaucoup de styles de musique, notamment le classique, avec toutes les belles époques classiques qu'on connaît. Et ensuite aussi une musique plus d'aujourd'hui, le jazz ou alors le funk ou d'autres styles de musique. Alors moi je trouve qu'il y a plusieurs aspects qui sont très très importants pour les enfants. La musique, ça apporte quelque chose pour les calmer, je trouve en fait. C'est vraiment une activité qui nous permet d'être beaucoup plus concentrés, d'apprendre la concentration. Ça vide les idées, la tête de toute la semaine, voilà, on repart plus cool. C'est fun, ça occupe, c'est une petite fonction quoi. Alors au début ils arrivent, c'est vraiment des élèves qui sont pas très très concentrés, puis au fur et à mesure des années on voit que ça a même un incidence sur leur capacité à l'école. Donc saxophone, là j'en ai un vieux spécimen, puisque pour jouer du jazz, souvent on aime bien les sons passivés, donc c'est un saxophone alto, qui est de la famille des bois et non pas du cuivre, même s'il y a une grosse partie qui est... puisque toute l'émission du son se fait par cette partie-là, qui est un morceau de bois, une hanche, un bout de roseau qui est coupé d'une manière très précise, et qui permet l'obtention du son grâce à cette partie. Donc au début, les sons sont assez difficiles à maîtriser. Donc on pense qu'on a un bout de riz qui est collé là, comme ça, et... 1, 2, 3, A. Il y a un gros répertoire en musique classique, mais pour moi, les lettres de noblesse du saxophone sont dans le jazz. Et donc il y a une façon d'apprendre surtout à improviser. Il y a des instruments comme ça qui sont ardus, où il faut passer un cap, je dirais, de 6 mois pour avoir des sons à peu près droits. De A.
Alors j'ai commencé le saxo en CE2, ça fait environ 10 ans. Je joue du saxo depuis 2 ans. En écoutant plusieurs morceaux, j'ai pu bien apprécier l'instrument. Son son m'a tout de suite impressionné et j'ai voulu tout de suite apprendre. Ce que j'aime dans le saxophone, c'est que le son il est très joli. Pouvoir jouer avec d'autres personnes. Car il y a toujours des musiciens dans une soirée ou quoi. Il faut savoir qu'on passe toute une vie à créer un son, à avoir un son. Mais d'approche, en approche amateur, le saxophone, c'est vrai qu'est un instrument relativement facile à aborder. La flûte est le plus vieil instrument du monde, hein, puisque la première flûte était en os, on prenait le tibia des chèvres, il y a eu des flûtes en pierre, etc. Elle fait partie des instruments en bois, parce qu'elle a été longtemps en bois, c'était le traverso avant. Et puis maintenant, bon, bah, ça existe même dans des métaux précieux, l'or, l'argent, et puis surtout elle a un pouvoir magique, c'est une flûte enchantée. Voilà. L'apprentissage de cet instrument, alors comme tout instrument, ça demande déjà de travailler régulièrement, quotidiennement. Quand ils sont tout petits, on les démarre sur des toutes en plastique. Cette année, j'ai commencé avec des enfants de 5 ans et ça a porté ses fruits. On est tout de suite passé à cette flûte embouchure coudée, mais qui est la petite sœur de la vraie flûte traversière. Voilà, ça c'est super. Tu vois comme le son est plus joli. Ah, ça c'est super. Ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est la joie. J'ai choisi cet instrument parce que j'aimais bien le son de cet instrument. Je trouvais ça joli. S'épanouir. Voilà, je voudrais que les enfants s'épanouissent. Alors, ça demande une exigence, hein. La pratique d'un instrument, oui, il faut être exigeant. Mais bon, on apprend. Et au plus on apprend, plus on s'épanouit.